Wesh, bien ou quoi? Tranquille ou quoi? Ouais, tranquille. Une image d'amour, une image absolument magnifique vient de nous caresser les yeux. Hier, dans la nuit, le Real Madrid jouait et a acclamé à forte tension son joueur Vinicius Junior. On a pu voir tout un stade exprimer son amour envers un joueur noir. N'est-ce pas rare? N'est-ce pas magnifique? N'est-ce pas encourageant? Voilà que Vinicius Junior rentre sur le terrain avec toute cette classe, habillé comme un petit rappeur qui vient saluer la foule. On a le corps présidentiel du Real Madrid qui se lève et qui applaudit Vinicius Junior. Oh là là, on avait l'impression qu'on avait Malcolm X sur le terrain. Oh! On avait Mohamed Ali! Tout le monde l'acclamait. Ah, c'est absolument magnifique. Et oui, vous voyez que vous pouvez aimer des personnes qui ne sont pas de la même couleur que vous. Mais bien sûr que c'est possible de soutenir quelqu'un, de lui montrer son amour. C'est possible. C'est un message d'encouragement qu'on a pu voir hier, colporté par tout le club du Real Madrid, qui a mon respect. Qui a mon respect. Ils ont floqué le maillot de Vini numéro 20 et tous les joueurs du club sont entrés en soutien avec ce maillot. C'est pas du jamais vu, hein? T'as déjà vu ça? Même là aux États-Unis, là, l'autre là, Kaepernick, tu penses qu'il aurait pu avoir ce traitement de faveur? Mais jamais de la vie! Jamais de la vie! Les Espagnols sont capables du pire et du meilleur. Je suis littéralement choqué. Ce pays qui est connu pour son racisme avéré, on le sait, les racistes en Espagne, ça court absolument, pratiquement toutes les rues. On le sait. Et là, voir tout un stade qui chante à l'unisson, Vini, Somotodomos, je sais pas quoi, c'est magnifique, c'est beau. En tout cas, nous sommes apaisés par ce message qui a été diffusé par le Real Madrid. Mais attention, on n'est pas dupes, hein. C'est pas parce que vous chantez et que vous nous mettez des affiches, ouais, on soutient un joueur noir, que le racisme, il est effacé. Hein? On commence pas à rentrer dans ce genre de délire malsain. Hein? Commencez pas à dire, ouais, c'est bon, regarde, on a fait des affiches, on a fait tout ça, c'est bon, maintenant, ça suffit, allez, retourne sur le terrain et arrête de pleurer. Hein? C'est pas comme ça. Hein? Vous comprenez? Parce que là, ce que vous venez de faire, c'est quelque chose qui pourrait énerver la partie adverse, la partie raciste, qui pourrait se dire, attends, mais ils sont malades ou quoi? Ils sont là en train de soutenir un joueur noir. Hein? Ils n'ont pas vu que c'est un noir. Donc là, nous, ce qu'on va faire, c'est répondre de manière plus virulente envers Vinicius Junior. Donc là, vous attendez-vous à une réponse du côté adverse. Tu comprends? Ils ont attaqué, vous avez répondu, ils peuvent réattaquer. Soyez-en conscient. Et j'espère que votre combat, vous allez le mener en l'assumant. Tu comprends? Hein? Real Madrid, tu t'es lancé dans un truc, il va falloir assumer maintenant. Tu soutiens ton joueur Vinicius Junior, soutiens-le. Et carrément, soutiens tous les Noirs qui sont en Espagne et qui souffrent. C'est trop? Ah ben, c'est ce qu'il faut faire.